Je n'arrête pas de vous dire, je préfère que vous publiez de la merde que de ne rien faire et attendre la perfection. La perfection ne se fait que sur le terrain. Il y a des gens qui attendent la perfection sur papier, ça n'existe pas. C'est sur le terrain que vous apprenez. Ne pensez pas que pour vous lancer, vous devez être parfait, vous devez avoir une diction parfaite, un cadrage parfait, un son parfait. Faites, et c'est sur le chemin que vous corrigerez et que vous apprendrez à faire des vidéos. Pardon, faire des vidéos. Je rajouterai même quelque chose. C'est même pire que ça. Si vous êtes parfait dès le départ, les gens vont se demander d'où vous sortez. Et surtout sur TikTok, où le but, c'est aussi d'être accessible. Si vous sortez de nulle part, parfait, vous êtes en présentateur télé. Je te donne à toi, tiens. Bon, je voudrais bien aborder le sujet d'ailleurs juste après, si ça ne te dérange pas. Mais si vous sortez et vous présentez le 20h directement, les gens vont vous regarder et vous dire, mais d'où il sort celui-là? Qu'est-ce qu'il veut? Pour qui il se prend? Enfin, je vais un peu loin, mais ça sera ça parce que vous ne serez pas humain en fait. Vous serez simplement, moi je suis parfait, je suis en vidéo. J'adore que tu dises ça parce que je n'avais jamais vu ça comme ça moi-même. Tu as vu, je l'avoue. Pourtant, je suis CSP. Hein. Ah, CSP. CSP oblige. Mais j'avais jamais vu ça comme ça et c'est tellement vrai, Corentin. C'est vrai que si tu es parfait dès le départ, on va se demander, mais c'est qui cet Uber Eats? D'où vient-il? Et ça peut même paraître louche.